Donc on va passer à la deuxième partie de ce CNC. C'est un problème sur les réseaux routiers. Un réseau routier peut être représenté par un dessin qui se compose de points et de traits continus reliant deux à deux certains de ces points. Les points sont les villes et les lignes sont les routes. Voilà, pour vous dire à tête reposée cet énoncé. On va aller directement aux questions. La modélisation d'un réseau routier. On considère un réseau routier composé de n villes, avec n supérieur ou égal à 2. Les villes du réseau routier sont numérotées de 0 jusqu'à n-1. Ça, vous avez un exemple. C'est une sorte de graphe où les sommets sont les villes et les arêtes sont les routes. Pour représenter un réseau routier de n ville, on utilise une matrice symétrique R d'ordre n. Pour toutes les villes i et j, telles que i, y compris entre 0 et n, et j également, on a R de ij est égal à R de j est égal à 1, s'il existe une route qui relie la ville i à la ville j, et 0 sinon. Bien sûr, on suppose que ça c'est la notation de NumPy. Voilà. Notez bien, dans la matrice symétrique R, les lignes I et les colonnes J représentent les villes des réseaux rôtis. Et là, vous avez un exemple de cette matrice symétrique. Représentation de la matrice des réseaux rôtis en langage Python. Voilà. Ici, on représente la matrice via une liste de listes. Voilà. Question 1, on demande, à partir de la matrice symétrique R, de la figure 2, de donner les résultats des expressions suivantes. Donc, question 1. Voilà. Question 1. R de K de 2, R de 1, ln de R de 2 et ln de R. R de, on va commencer par, voilà, R de K de 2. R de 4, 2. Si on revient à la matrice, R de 4, 2, ça c'est R de 0, R de 1, R de 2, R de 3, R de 4. Ben, à l'intérieur de cette liste, on va chercher l'élément d'indice 2, c'est-à-dire le troisième élément, c'est un 1, celui-là. Voilà, donc c'est un 1. R de 4, 2 est égal à 1. Deuxièmement, R de 1. R de 1, c'est normalement une liste. C'est le deuxième élément de R, c'est le... Voilà, c'est cet élément. C'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est 1, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 0. On va vérifier. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, c'est celle-là. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, c'est bien ça. Ln de R de 2. R de 2, ou bien R de 1, ou bien R de 0, ce que vous voulez, toutes les listes, ils ont la même longueur. R de 2, c'est le troisième élément, c'est cette liste-là. Vous pouvez remarquer qu'il contient 8 éléments. Donc ln de R de 2, c'est égal à 8. Et enfin, ln de R, c'est le nombre de listes, le nombre de sous-listes de R, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est également 8. Voilà pour la question 1. On va passer à la question 2. Question 2, je crois qu'il y a deux parties, partie A et partie B. On va voir. Donc, les villes voisines I et J sont deux villes dans un réseau routier représenté par une matrice symétrique R. Les villes I et J sont des voisines s'il existe une route entre la ville I et la ville J.
on demande ici à la fonction voisine de IJR qui reçoit en paramètre 2,8IJ d'un réseau routier représenté par la matrice symétrique R. La fonction envoie un boolean true si les villes sont voisines ou sinon. Voilà. On définit la fonction voisine. Elle prend comme paramètre IJ de ville et la matrice symétrique R. Ben, on a deux solutions, soit de faire un test. Si R de IJ est valide, est égal à 1, on voit true. Sinon, on voit 0, ou bien on peut retourner directement la valeur de R de IJ égale à 1. Voilà. De cette manière, on peut exécuter et tester pour 3,0R, ça doit donner true. 3,5R, ça doit donner false. Donc, voisine de 3,0R. Bien sûr, on n'a pas défini notre liste R. Je sais pas si on peut copier la définition. C'est pas possible. Voilà, c'est pas grave. On va l'écrire. Tout simplement. Voilà. R égale. La première, ça c'est la deuxième, pas besoin de la première. Donc c'est 0,1110000. La deuxième, on a dit que c'est celle-là. La troisième, c'est 1,1110000. La quatrième, c'est 1,0,1,0,1,0,1,1. Cinquième, avec un liste, 0,1,1,1,1,1,0. La sixième, 0,0,0,0,1,0,1,1. L'avant-dernier, 0,0,0,1,1,1,0. Et la dernière liste, c'est 0,0,0,1,0,1,1,0. J'espère que c'est bien cette définition, c'est bien celle qu'on a dans l'énoncé. On n'a pas fait d'erreur, c'est bon. Donc on a dit voisine de, il faut tester voisine pour 3,0. Et notre matrice R, ça tombe sur vous. Alors, voisine pour 3,5. Change le 0 par 1,5. Ça tombe false. C'est bien notre fonction. Voilà, ça c'est la question de A. Question de B. On demande dans la question de B, c'est d'écrire la fonction liste voisine de IR qui reçoit en paramètre une ville I d'un réseau routier représenté par la matrice symétrique R. Par la fonction, on voit la liste de toutes les villes voisines à la ville. Donc, c'est liste voisine de IR. Ben, on cherche à renvoyer la liste des villes voisines de I dans le réseau routier représenté par la matrice R, ce qui veut dire que on peut le faire de plusieurs manières. On peut créer une liste vide et la remplir en faisant un parcours de R à chaque fois qu'il y a une ville voisine, on l'ajoute à la liste et on renvoie cette liste en fin de compte. Ou bien on peut créer une liste par compréhension. Par quoi on va remplir cette liste? On va remplir cette liste par toutes les valeurs de J
pour que j'ai une linge, il s'agit d'une matrice symétrique et une matrice carrée, R de I, en à condition que I et J dans R soient des listes, soient des vides voisines, en d'autres termes. Si par exemple on cherche ce qu'on a fait ici par exemple pour 3R, si on cherche les villes voisines de la ville numéro 3 dans la liste R, il suffit d'aller dans la liste R de 3, c'est-à-dire quatrième liste, celle-là, et à chaque fois qu'on trouve un 1, on va récupérer la valeur de l'indice. Ici, il y a un 1, il se trouve à la position 0, donc 0, c'est une ville voisine à la ville numéro 3. Il y a le 2, il y a le 4, il y a le 6 et le 7. C'est 0, je parle des indices, 0, 2, 4, 6 et 7. Vous voyez, c'est bien ça, 0, 2, 4, 6 et 7. Voilà. Donc, on prend R de I en fonction du nombre de composantes de R de I. On va créer un compteur J qui va prendre des valeurs de 0 jusqu'au nombre, c'est de 0 jusqu'à 7. À chaque fois que, en changeant le J, sachant que I s'y fixe, si on tombe sur les villes voisines, on va récupérer cette valeur de J, on va l'ajouter à la liste finale. Voilà. La liste voisine de, on a dit 3, dans R. Ça donne bien 0, 2, 4, 6 et 7. Voilà pour la question 2. On passe à la question suivante, question 3. Voilà. Question 3, on va voir de quoi il s'agit. Le degré d'une ville. Dans un réseau routier, le degré d'une ville I est le nombre de villes voisines à la ville I. Écrire la fonction degré de IR qui reçoit en paramètre une ville I, un réseau aussi représenté par la matrice symétrique R, la fonction renvoie le degré de la ville de la ville I. En d'autres termes, degré de 3R, on a déjà vu que liste voisine renvoie cette liste, il suffit de compter le nombre d'éléments de cette liste. On a 5, ça doit donner 5, c'est bien ça. En d'autres termes, si on veut définir, répondre à cette fonction, degré de R, vous pouvez faire la réponse classique, créer un compteur et compter à chaque fois qu'il y a une liste voisine, une ville voisine. Sinon, pour être rapide, c'est l'n de liste voisine de IR. On peut également, on va l'écrire en commentaire ici, retourner la somme, tout simplement, des éléments de RI. C'est très bien que si on revient à notre fonction, R de 3, c'est la quatrième liste, sous-liste, c'est celle-là. Ben, si on fait la somme de ces 1, il n'y a que des 1, donc si on fait la somme, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça donne 5. Pour R de 0, vous voyez, R de 0, c'est la première liste, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc R de 0, la ville numéro 0, pour ces 3 listes voisines. On peut faire de cette manière ou bien de l'autre manière. Donc degré de 3, bon, R, ça donne bien, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le I. C'est pas grave. Et bien écrire la signature des méthodes. Voilà. Degré de R, c'est, degré de 3 dans R, c'est 3. Voilà. Pour la question 3. Question 4.
Voilà ce qu'on demande. Question 4. La liste des degrés des huiles. Qui est la fonction liste degré de R qui reçoit en paramètre la matrice symétrique R en représentant un réseau routier? La fonction envoie une liste D contenant des tuples. Chaque tuple de D est composé de deux éléments. Une huile des réseaux routiers et le degré de cette huile. Et vous avez un exemple pour notre liste R. Donc, on va définir notre fonction liste. Liste comment? Voilà. Vous l'écrivez avec E. Degré. Un degré, je crois, avec S. C'est bien ça. Faut faire attention à... Voilà. À la signature des fonctions. Ben là, on peut le faire de deux manières. On peut créer des tuples et créer une liste vide et former des tuples et ajouter ces tuples à la liste vide. Ou bien, on peut retourner directement une liste qui contient deux éléments, un élément i et le degré de i dans R pour chaque i in the range de l'un de R. Pour notre exemple, l'un de R c'est 8, donc un range de 8 ça va donner 0 jusqu'à 7, ben, on va former les listes former des éléments demandés. Donc on forme une liste avec des tuples qui contient deux éléments. Autrement, liste tiré degré de R, ça va donner, voyez, 0, 3, 1, 3, je crois que c'est bien ça, 0, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 4, etc. 7, 3, c'est le dernier tuple. Voilà. Ça, c'est pour la question 4. Donc, question suivante, question 5. Tri des huiles. On demande dans question 5 est divisée en deux parties, question A, dans laquelle on demande d'écrire la fonction tri degré de D qui reçoit en paramètre la liste D des degrés des huiles. Ben, la fonction trie les tuples de la liste D dans l'ordre décroissant des degrés des huiles. Pour trier, vous avez deux choix. Soit utiliser des fonctions et méthodes prédéfinies, soit vous utilisez, vous programmez, vous développez votre algorithme de tri selon les algorithmes que vous avez étudiés, ou bien si vous avez une autre méthode. Vous avez le libre choix. Vous avez étudié 5 algorithmes de tri, les trois algorithmes de tri standard, triabule, tri par insertion et tri par sélection, et les deux algorithmes de tri rapide, le tri par fusion et le tri rapide. Ici, on n'a pas mentionné que l'utilisation de la méthode sort ou bien de la fonction sort est interdit, ce qui veut dire qu'on va l'utiliser, tout simplement. C'est la manière la plus simple pour résoudre ce problème. Donc, question 5a, on va définir notre fonction, c'est tri de degré de D. La première chose à faire, ou bien il y a une seule chose à faire, c'est retourner la liste D. Ben, il n'y a pas de retour. Pour revenir à la question, il faut lire l'énoncé d'une manière très attentive. Ben, la fonction, il trie les tuples, il n'y a pas de retour. On n'a pas dit que la fonction envoie une valeur, donc il n'y a pas de valeur de retour. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est trier la liste D, utiliser la méthode source. Sauf que si vous faites ça comme ça, ça veut dire que ce qu'on va faire, va trier la liste par ordre croissant déjà et par le premier élément de chaque tuple, c'est-à-dire le numéro de la huile, et nous on cherche à trier par ordre décroissant et par le degré et non pas par le numéro de la huile. Donc, premièrement, il faut utiliser le paramètre reverse et c'est tout.
par défaut, il est égal à false. Deuxièmement, il y a le paramètre key pour lequel on va créer une fonction lambda qui prend un tuple et qui retourne le deuxième élément de ce tuple. C'est comme ça qu'on trie par ordre décroissant en utilisant le paramètre reverse et selon le deuxième élément des tuples et non pas le premier élément en créant cette fonction lambda. C'est pour le paramètre key. Donc, si on exécute, vous allez voir que si on définit notre tuple D, on va voir si c'est déjà défini. Voilà. On va définir un autre. Voilà. On va prendre l'élément de départ qui n'est pas trié par ordre décroissant, celui-là. Et on va appeler notre fonction tri, degré de D. Vous allez voir que. Voilà, déjà il n'y a pas de retour, mais il faut appeler la liste D pour voir est-ce qu'il y a un changement. Voilà, vous voyez que on a trié selon le degré. Donc 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3 et 3. C'est bien ce qu'on a. Voilà, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Voilà. Dans la partie B, on demande d'écrire la fonction trivial de R qui reçoit un paramètre de la matrice symétrique R représentant un réseau routier. La fonction renvoie, vous voyez, cette fonction, elle renvoie la liste des villes triées dans l'ordre décroissant des degrés des villes. Voilà. Question 5B. Trie, cette fois, ville de R. Voilà. Ville de R. Ben, ce qu'on va faire, on va à partir de R, on n'a pas D, on n'a pas la liste des degrés, ben, on va l'obtenir à travers la fonction liste degré. Ça, c'est notre liste degré. R. Par la suite, on va trier la liste D, donc tri degré de D. Voilà. Comme ça, notre liste D est triée. Ensuite, ce qu'on va faire, chercher à récupérer les villes. Donc, on va retourner une liste qui contient le deuxième élément, et le premier élément, x de 0, pour chaque élément de D. Pour chaque tuple, le premier élément, c'est le numéro de la ville. Le deuxième élément, c'est le degré. On récupère uniquement le premier élément. Donc, on remplit une liste par le premier élément de chaque tuple de D après l'avoir trié. Ça va donner la liste, normalement, des villes. Donc, tri, ville, de R. Voilà. Vous voyez, 3, 4, 2, 6, 0, 1, 5, 7. 3, 4, 2, c'est ça, c'est bien ça. Voilà, ça pour la question 5. On va passer à la partie 2. Coloration optimale des villes d'un réseau routier. Une coloration des villes d'un réseau routier est une affectation de couleurs à chaque ville, de façon à ce que deux villes voisines soient affectées par deux couleurs différentes. Le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorier un réseau routier est appelé nombre chromatique. Voilà. Cherche à construire une liste C qui contiendra les couleurs des villes. Ces couleurs seront représentées par des entiers strictement positifs. Chaque élément C de K contiendra la couleur de la ville K du réseau routier. Pour cela, on va utiliser un algorithme très célèbre, dit algorithme de Gloutan,
C'est un algorithme couramment utilisé dans la résolution de ce genre de problème afin d'obtenir des solutions optimales. Son principe est très simple. V, c'est la liste des 8 triées dans l'ordre décroissant des degrés des 8. Dès qu'on va utiliser les fonctions qu'on a développées précédemment. C, c'est une liste de même taille que V initialisée par des zéros. Ça, c'est simple à faire. Pour toute ville K de V, ces deux K, c'est la première, il reçoit la première couleur non utilisée pour les villes voisines à la ville K. Et on doit retourner la liste C. Voilà. Donc, question 6, on demande d'écrire la fonction premier entier de L, qui reçoit en paramètre une liste L, d'un nombre entier positif. La fonction envoie le premier entier positif qui n'appartient pas à la liste L. La fonction, c'est la fonction premier entier. Voilà, on va l'écrire. Question 6. Premier entier de L. On va calculer la longueur de L. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, pour I in L, ou in range de L, pour I in range de N, si on trouve que I il n'est pas dans, L, dans la liste L, on va retourner la valeur de I. On va aller de 0 jusqu'à n-1. Le premier, la première valeur de i qu'on va pas trouver dans L, on va retourner sa valeur. On exécute. On va tester pour cette liste par exemple. 0, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0. Voilà. 0, 0, 3, 3, 1. Premier entier. Sur la liste 0, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0. Non. Bah, cette fonction, il doit renvoyer la valeur 2. C'est bien ça. Normalement, c'est simple à faire. On continue. Question 7. La fonction couleur voisine de K, c'est R, qui reçoit en paramètre une ville K. Un réseau routier représenté par la matrice symétrique R et la liste C des couleurs des villes du réseau. La fonction renvoie la liste des C de I, telle que I est une ville voisine à la ville K. Autrement dit, ben, si par exemple la ville c'est 4 et la liste des couleurs c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ben, on va voir dans R de 4, c'est-à-dire la cinquième sous-liste de R, cinquième ligne de R, de la matrice R. Et à chaque fois que, à partir des couleurs, à chaque fois qu'on trouve que il y a une ville voisine à la position I, on va récupérer le ième élément de C. On va voir comment. Donc, question 7. Couleur. Non. Voisine de K, C et R. Ce qu'on va faire, on va calculer la longueur de, on n'a pas besoin de ça, on va le perdre directement. On va retourner une liste des C de I. Ce qu'on demande, on va remplir notre liste par compréhension avec les C de I. Pour chaque I, in range de l'un de C, à condition que I et K dans R sont des villes voisines.
tout simplement ce qu'on doit faire. Donc, si on teste notre fonction couleur voisine pour, par exemple, la ville 4 et la liste 0001, il y a un 1 à la quatrième position et le reste c'était 0. Donc, la ville 4, notre liste c'est 0001 et le reste c'était 0. Sachant que le réseau routier est représenté par la matrice 1. Voilà, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. On a ajouté un 0 de trop. Voilà. C'est 0, 0, 1, 0, 0. C'est bien ça. 0, 0, 1, 0, 0. Pour cette liste, on va prendre celui-là pour s'assurer que ça marche. La vue numéro 6 et la liste 0, 0, 3, 1, 2, 0, 0, 0. Voilà, donc 0, la liste, la ville c'est 6, donc 0, 0, 3, 1, 2, 1, 0, 0, ça donne 1, 2, 0, 0, c'est bien ça, voilà. On va passer à la question suivante, question 8. On va définir la fonction couleur ville. C'est dans cette fonction qu'on va utiliser le principe de l'algorithme de l'algorithme glouton. Voilà. Donc ici la fonction couleur, on a déjà fait ça. Non. Donc, ici la fonction couleur ville de R qui reçoit en paramètre la matrice symétrique R représentant un réseau routier. La fonction envoie la liste C des couleurs des villes en utilisant le principe du glouton cité ci-dessus. La fonction couleur ville de R envoie cette liste. On va voir est-ce qu'on va écrire tout d'abord le programme et on va voir est-ce qu'on va obtenir la même chose. Donc, première chose à faire pour l'algorithme de glouton, on va revenir pour. On va tout simplement faire la même chose que ce qu'on a ici. Donc, V est la liste des villes triées dans l'ordre décroissant des degrés des villes. Donc, V, C, tri, ville, de R, tout simplement. Ça, c'est notre liste de V. Ensuite, deuxième chose, C est une liste de même taille que V initialisée par des zéros. C, c'est que des zéros. Ben, on va commencer par calculer la longueur de V, tout d'abord. Là, et C, c'est quoi? C'est une liste. Un seul élément 0 qui sera dupliqué n fois. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Pour chaque ville K de V, ces deux K reçoit la première couleur non utilisée par les villes voisines à la ville K. Donc, pour chaque K in V, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va appeler ça couleur voisine, comme ça, en utilisant la fonction de la question précédente, couleur voisine de K avec la liste des couleurs C dans 1, et on va récupérer la couleur. C'est quoi la couleur? Il suffit de prendre cette liste. En d'autres termes, dans la question précédente, celle-là, on récupère le premier entier supérieur ou égal à le premier entier positif qui n'existe pas dans cette liste. Donc on va utiliser la fonction premier entier de la liste 7. Bah, la couleur de K, c'est quoi? C'est cette couleur. On va faire ça plusieurs fois, mais une fois on a
fait ça pour toutes les 8, il faut retourner la valeur de la liste des couleurs. Voilà, on exécute. Là, il suffit d'appeler couleur huile de R. Voilà. C'est 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 0. C'est pas la même chose que ce qu'on a, hein, parce que notre liste est initialisée par des zéros. C'est bien ça. Faut modifier notre liste premier entier. Voilà, on n'a pas fait attention à ça. Au lieu de faire à fois i in range de n, on va faire comme ça. Voilà, n plus 1. Comme ça, on va éviter ce problème de 0. Voilà, on va refaire appel à notre fonction. Vous allez voir que le problème est réglé. De 1, 3, 1, de 1, 3, 2. De 1, 3, 1, de 1, 3, 2. Voilà. Je crois qu'il y a un problème dans cette fonction. Il faut normalement que la fonction elle doit renvoyer le premier entier strictement positif qui n'appartient pas à la liste L. Sinon, on doit admettre des couleurs de valeur 0 par exemple. Voilà. Ça, c'est cette question. Partie 3, chemin dans un réseau routier. Dans un réseau routier, un chemin est un tuple T qui contient des villes du réseau qui satisfait les deux conditions suivantes. Première condition, le tuple T ne contient au moins deux villes du réseau routier. Deuxième condition, deux villes consécutives dans T sont voisines. Donc on va définir une fonction, voilà, c'est ce qu'il nous demande. Qui est la fonction chemin valide de TR qui reçoit en paramètre un tuple T contenant des villes du réseau routier représentées par la matrice symétrique R. La fonction envoie un boolean true si le tuple T satisfait les deux conditions C1 et C2 et false sinon. Et comme on a dit, on va définir la fonction chemin valide qui accepte deux paramètres, le tuple TR. Le tuple T est la matrice R. Donc on calcule tout d'abord la longueur de T. Ensuite, on va commencer par la première condition. Si N est strictement inférieur à 2, ça veut dire que le tuple T contient moins de 2 villes, c'est pas un chemin. Sinon, pour i in range de N moins 1, on va voir est-ce que la fonction voisine pour la ville t de i et pour la ville t de i plus 1, il va envoyer true. Ça veut dire que les deux sont des villes voisines. Sinon, on va retourner false. Ben, si la première condition ne retourne pas false, ça veut dire que le tuple contient plus de au moins deux villes et que deux villes consécutives sont adjacentes, sont voisines, on va retourner toujours, c'est un chemin valide. Voilà, on exécute. Et on va tester notre fonction pour un chemin donné dans la matrice R. Par exemple, on va faire deux tests, 2, 0, 1, 4, 3. 2, 0, 1, 4, 3, ça doit donner true. C'est bien ça. Le deuxième chemin, c'est 3. 3, 1, 4, 7, c'est pas un chemin valide. Vous pouvez vérifier dans le graphe de départ. Ça donne false. Donc c'est bien ça. On va passer à la question suivante, question 10.
Question 10. Chemin simple entre deux villes. Donc, la raison routier, un chemin simple est un chemin qui passe une seule fois par la même ville. Le chemin 20143 est un chemin simple entre la ville 2 et 3. Le chemin 6734, etc., n'est pas simple. On utilise 6 et 3 plusieurs fois, par exemple. On demande d'écrire de la même manière la fonction chemin simple, TR, qui reçoit en paramètre un chemin T dans un réseau routier représenté par la matrice sémitique R. Ben, la fonction renvoie true si le chemin T est un chemin simple, sinon la fonction renvoie false. Donc, chemin simple, c'est notre fonction, chemin simple de TR. Ben, si déjà c'est un chemin valide, on va voir. Si le chemin TR est un chemin valide, on va voir. Pour chaque élément X et T, si T.count, on va compter le nombre d'occurrences de X dans T, si il est différent de 1, return false. Sinon, return true, une fois on sort de la boucle, ça veut dire que tous les termes ils existent une seule fois. Sinon, return false, ça veut dire que c'est pas vraiment, c'est pas même pas un chemin. Donc si c'est un chemin valide, on va faire le test. Sinon, c'est pas un chemin valide, c'est pas un chemin simple, automatiquement. Dans le cas où il s'agit d'un chemin valide, pour chaque ville X de T, s'il existe une seule fois, en utilisant la méthode count, on compte le nombre d'occurrences de X dans T, si c'est différent de 1, c'est pas un chemin valide, c'est pas un chemin simple. On exécute. Voilà, on teste par exemple 20143. 2, voilà, 2, 2. Celui-là, chemin simple cette fois. Ça doit l'envoyer true. C'est bien ça. Le deuxième exemple, on va prendre 6, 7, 3. Prendre cet exemple. Voilà, on va le copier et on va le tester. Là, on va voir, ça va donner false. Voilà. Pour la question 10. Question 11. On suppose que la fonction liste chemin IJR reçoit en paramètre deux villes IJ, un réseau routier représenté par la matrice symétrique R. Cette fonction renvoie une liste qui contient tous les chemins simples entre la ville I et la ville J. Ça, c'est un exemple d'exécution entre la ville numéro 1 et la ville numéro 5. Le plus court chemin entre une ville I et une ville J est un chemin simple entre la ville I et la ville J qui traverse le moins de villes. On demande, bien sûr, on peut trouver plusieurs plus courts chemins. On demande d'écrire la fonction PC underscore chemin IJR qui reçoit en paramètre deux villes I et J d'un réseau routier représenté par la matrice symétrique R. Cette fonction renvoie la liste de tous les plus courts chemins entre la ville I et la ville J. On va définir cette question 11. On va définir notre fonction plus court chemin. Avec S, il faut vérifier la syntaxe. Voilà. I virgule J virgule R. Ce qu'on va faire, on va créer une liste des chemins en utilisant la fonction qui est déjà définie. On n'a pas défini. Voilà. C'est cette fonction. On n'a pas défini cette fonction, ce qui veut dire qu'on ne va pas tester cette fonction.
Pour ne pas perdre du temps, on peut définir cette fonction. Il suffit de faire un parcours en largeur du graphe R, défini par sa matrice R. Et on va pouvoir définir cette fonction. Sinon, on pouvait revenir à l'épreuve CNC de la filière NP. Il y a une fonction très similaire à cette fonction dans cet exercice. Voilà. On a la liste de tous les chemins. Par la suite, on va calculer la longueur minima de tous les chemins de CH. On va créer une liste par compréhension qui contient la longueur de chaque chemin. C'est l'un de x pour chaque chemin x de CH. Voilà. Ça, c'est le minimum. Et on va retourner tout simplement une liste par compréhension qui contient tous les chemins de L de pour chaque L de CH, à condition que la longueur de L soit égale à M. Voilà pour la question 11. Question 12. Je crois qu'il reste deux questions. Question 12 et question 13. Calcul du nombre de chemins entre deux villes. Voilà, dans cette partie, on considère le module olympique est importé grâce à cette instruction. Suppose que le réseau routier est représenté par la matrice symétrique R et que la matrice R est créée par la méthode Array. Dans cette partie, on propose de résoudre le problème suivant. Soit P1 dans si strictement positif, quel est le nombre de chemins, simples ou non, entre une ville I et une ville J, passant exactement par P route? Par exemple, dans le réseau routier de la figure 2, pour aller de la ville 1 à la ville 3, en passant exactement par 5 roues, on peut avoir les chemins suivants. Pour résoudre ce problème, on doit procéder ainsi. Calculer la matrice M, R à la puissance P, matrice symétrique R élevée à la puissance P. Chaque élément M et J représente le nombre de chemins entre la ville I et la ville J, passant par paire route. Voilà. La matrice M est symétrique aussi, et le nombre de chemins entre la ville I et J est le même que celui entre G et I. Voilà. Voilà pour. Par exemple, entre la ville 1 et la ville 7, il y a zéro chemin qui passe exactement par deux routes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a zéro ici. Il y a cinq chemins, voyez, qui passent exactement par trois routes. Alors, ce qu'on demande, donc, produit matriciel, on considère la matrice A de M lignes N colonnes et la matrice P de N lignes P colonnes. En effectuant le produit matriciel de A et B, on obtient la matrice C de M lignes et P colonnes, sachant que les coefficients de la matrice C sont calculés par la formule suivante. On demande d'écrire la fonction produit matriciel de AB qui reçoit un paramètre de matrice symétrique A et B de même dimension. La fonction calcule et renvoie une nouvelle matrice symétrique C qui contient le produit matriciel de A et B. Alors, la fonction doit économiser le temps de calcul en calculant une seule fois les coefficients symétriques dans la matrice. Voilà ce qu'on va faire. Une des solutions possibles, produit matriciel AB, puisque les deux matrices sont de même dimension, on se contenter de calculer M à N, c'est la longueur de A. Par la suite, on va créer une matrice, le matrice résultat. On a déjà dit que
on a importé le module NumPy grâce à l'instruction from NumPy import étoile. Donc, on peut utiliser la fonction 0 pour former une matrice carrée de m lignes et m colonnes. Voilà, ça c'est notre matrice C. Par la suite, on va commencer le calcul du produit. Donc, for i in range de m, pour j in range de m, on va dire que si j strictement inférieur à i, on appelle de faire le travail, on va continuer. Sinon, on va définir un compteur s à 0, on va faire une somme. For k in range de m, toujours, ce sont des matrices carrées de même dimension. On l'a dit dans l'énoncé. Donc S égale à S plus A de IK fois P de KJ. Voilà, une fois on termine la boucle de K, en gardant la même valeur pour I et pour J, en changeant la valeur de K. D'autres termes, on va premièrement multiplier A de 0, 0 par B de 0, 0. Changeons la valeur de K, on passe à 1. On va ajouter à cette somme le produit A de 0, 1. C'est-à-dire, sur la même ligne de A, la première ligne, on prend la deuxième composante, qu'on multiplie par B de 1, 0. C'est-à-dire, la composante sur la même colonne, deuxième ligne, ainsi de suite. Une fois on a fait ça, bah ce qu'on fait, c'est qu'on calcule deux composantes, c'est-à-dire C de IJ. C'est cette somme. Et bien sûr, c'est la même chose que C de G, puisque la matrice C est également une matrice symétrique. On va faire un test si I est différent de J, C de GI. Et égale également à S. Et voilà. On va répéter ça plusieurs fois. Une fois qu'on termine, on va retourner la valeur de la matrice. C'est ça le produit matriciel de deux matrices A et B en optimisant. Faites de tester est-ce que J est inférieur à I. Ben, si j est inférieur à i, par l'appel de faire de produit, on va directement attribuer la valeur. C'est le rôle de la deuxième condition en bas. Dernière question, je crois. Voilà. Calcul de la puissance par exponentiation rapide. Lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée, le calcul de la puissance devient crucial. L'exponentiation rapide est un algorithme qui permet de minimiser le nombre de multiplications effectuées dans le calcul de la puissance. Vous avez un exemple qu'on va utiliser. Donc, on demande d'écrire la fonction puissance Rn, qui reçoit en paramètre la matrice symétrique R, représentant un réseau entier et un entier strictement positif. N, en utilisant le principe de l'exponentiation rapide, la fonction calcule et renvoie la matrice R à la puissance n. Donc, on va définir la question 13.
Pour définir notre fonction puissance Rn, en utilisant le principe de l'exponentiation rapide, si n est égal à 1, on va retourner R. Sinon, si n modulo 2 est égal à 0, on va retourner, on va revenir à l'énoncé, x à la puissance 2, de tout à la puissance n sur 2. X à la puissance 2, le tout à la puissance n sur 2. C'est-à-dire c'est la puissance, notre matrice c'est x à la puissance 2, c'est-à-dire c'est le produit matriciel de x et de r par lui-même. Et la puissance, c'est n divisé par 2. Voilà, c'est un nombre. Si n est pair, et si n est impair, c'est la condition qui reste. On va retourner, revenir à l'énoncé. Donc c'est le produit de x par x au carré à la puissance n-1 sur 2. L'autre terme, c'est le produit matriciel de R et de r au carré à la puissance n moins 1 sur 2. Voilà, il suffit de copier la ligne précédente. Donc, c'est le produit de la puissance duale de r au carré, voilà. Mais cette fois, c'est n moins 1 sur 2. Et voilà. Voilà notre fonction. Voilà, c'est tout pour cette épreuve. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à faire des remarques. Si vous voulez poser des questions, ou bien n'importe quelle remarque est la bienvenue. Merci.